urge Moscou, pas de nouvelle opération à Idlib, mais un mémorandum sur la désescalade urge. Poutine et Erdogan parviennent à une importante décision sur Idlib. Les anarchistes grecs attaquent l'ambassade d'Iran à Athènes, vidéo 1. Groupe anarchiste grec a revendiqué une attaque contre l'ambassade de la République islamique à Athènes, indiquant avoir agi en réaction à la récente exécution de 3 combattants kurdes en Iran. Des inconnus ont jeté des pierres et des bouteilles sur l'ambassade d'Iran dans la capitale grecque, a annoncé lundi l'agence de presse iranienne IRNA. Selon le journal grec Naftem Poriki, l'attaque a été menée par une dizaine de membres du groupe anarchiste Rubicon, se déplaçant à moto. L'organisation a par la suite revendiqué l'assaut et posté sur son site une vidéo. D'après Rubicon, l'attaque a été lancée en réaction à l'exécution de 3 combattants kurdes par le « régime théocratique iranien », accusé de mener de sévères répressions contre la gauche. Le groupe Rubicon a vu le jour en 2009 dans le contexte de la crise économique, qui sévissait alors en Grèce. Depuis lors, ils ont mené une centaine d'attaques visant diverses organisations, ministères, ambassades et représentations d'entreprises étrangères. Le 22 juillet dernier, les anarchistes de Rubicon ont cassé les vitres du ministère grec des Affaires étrangères en signe de solidarité avec le peuple palestinien luttant contre l'agression israélienne.